Et merde. Et pourquoi tu laisses traîner tout ce bordel ici? Ramène-moi un coup à boire, s'il te plaît. Ouais, bon, après tout, vu ton état, un coup de plus, ça changera pas grand-chose. Qu'est-ce que je te dise? En ce moment, je picole, c'est comme ça. Tu te laissais pas aller comme ça avant. J'ai fait ce que je pouvais avec pas grand-chose. Tu sais, j'ai toujours aimé ce que tu me prépares. Et ça, c'est pas prêt de changer. Oui, enfin, tu sais, Paul, on mangerait peut-être mieux si t'arrêtais de dépenser autant pour fuir la réalité. J'y arrive pas. Puis qu'ils sont partis, j'ai beau essayer d'oublier. Je sais que tu te sens coupable. T'as fait tout ce que t'as pu ce jour-là, ok? C'est juste que, ben, parfois, la vie est dure à comprendre. J'ai besoin de toi, grand frère. Et je sais que chaque matin, tu en sors de te lever. Mais voilà, faut que ça bouge. Un job, un truc réglo, quoi. Je sais pas, t'étais facteur avant, peut-être qu'il te reprendrait. Est-ce que j'ai une tête à faire une chose pareille? Heureusement, oui, je l'ai quitté, ce job à la con. Heureusement. J'étais en haut, Nat. J'avais une situation avant ça. C'était avant. Avant que tout arrive. Et comme si la destruction n'était pas déjà suffisamment présente dans nos vies, il a fallu que tu lâches. Et tu te souviens de ce que disait papa? N'abandonne jamais. La famille Tourian n'existe plus. Je n'existe plus. On n'est plus rien, Nat. Plus aucune raison de me battre maintenant. Tu veux pas te battre? T'as fait tes choix. Alors reste la tête sous l'eau. Et surtout réagis pas. Continue de boire et d'arpenter les rues comme un fantôme. Et finis de foutre en l'air le peu qui reste de toi. Mais tu sais, peu importe jusqu'où tu t'enfonceras, jamais je te laisserai t'effondrer. Je passe mes journées à nettoyer la crasse des gens pour rien. Regarde mes mains. Et puis bah, le reste du temps, je m'occupe à essayer de rendre cet endroit moins inhospitalier. Je suis devenue l'ombre de ce que j'étais. C'est tout ce qui me reste, Paul. Ensemble, on est une famille. C'est ça, ouais, t'as raison. Fini de m'achever. Tu crois que ça m'amuse de devoir aller faire le ménage chez les gens? Hein? Tu crois que je rêvais pas mieux pour toi? Paul,
Moi, je te demande seulement de relever la tête, ok? Et puis dis-toi que ben, tout ce qu'on traverse en ce moment, c'est peut-être juste pour retrouver notre route. Alors t'abandonnes jamais, grand frère. T'abandonnes jamais. Je te promets. Smoke gets in your eyes.